que le Saint-Esprit donne. Joy that the Holy Spirit gives. La joie que le Saint-Esprit permet aux croyants de manifester. Joy that the Holy Spirit permits the believer to manifest. Est une joie que seuls peuvent expérimenter ceux qui ont vu leurs péchés pardonnés. Heureux l'homme dont le péché est pardonné. Quand tu sais que Dieu ne te condamne plus. When you know that God no longer condemns you. Et que tous les crimes que tu as commis sont pardonnés. And that all the crimes that you committed have been forgiven. Tu es constamment en joie. Nous sommes en train de travailler sur le caractère de Christ. And we are working on Christian character. Il n'y a pas de vraie formation de disciples sans transformation au niveau du caractère. There is no true making of disciples without transformation at the level of character. Un disciple bien bâti sera comme Jésus. A disciple who is well built will be like Jesus. Nous sommes en train d'étudier les vertus du fruit de l'esprit. We are studying the virtues of the fruit of the Spirit. Dans le but de susciter en chacun le désir d'être comme Jésus. With the goal of raising in each one the desire to be like Jesus. Le désir de revêtir les mêmes vertus. The desire to put on the same virtues. De telle sorte que quand on te voit, c'est comme si on voyait Jésus lui-même. In such a way that when we see you, it is as if we have seen Jesus himself. Nous avons étudié l'amour. We studied love. Pas pour avoir des têtes remplies de connaissances. Not to have our minds filled with knowledge. Mais pour créer un saint désir d'aimer comme le Seigneur Jésus. But to create a holy desire to love like the Lord Jesus Christ. De revêtir l'amour du Seigneur Jésus. To put on the love of the Lord Jesus. Nous avons vu que le désir est une puissance qui habite dans l'homme et qui le pousse à la conquête des choses qu'il désire. We saw that desire is an inner force that pushes a man to go to conquer the things that he desires. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne désires pas. You cannot become what you don't desire. Il faut que tu atteignes un niveau où tu désires la délivrance, la vraie délivrance. You should get to a level where you desire true deliverance. La délivrance de ce que l'apôtre Paul appelle la mort de ce corps. Deliverance from what the apostle Paul calls the death of this body. Quand tu cries, qui me délivrera de la mort de ce corps? When you cry out, who will deliver me from the death of this body? Dieu va intervenir. God will intervene. Si tu arrives au niveau où tu veux aimer les hommes comme le Seigneur Jésus. When you get to the level where you want to love men like the Lord Jesus. Tu désires être comme Jésus. You desire to be like Jesus. Rempli de douceur, de patience. Full of kindness, of patience. D'une façon désintéressée. In a way that is not without interest. Le Seigneur va te donner ça. The Lord will glorify you. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui concerne la joie. Today we are going to look at what concerns joy. Vous notez ceci. Write this down. C'est une joie que le Seigneur donne à tous ceux qui obtiennent le pardon de leurs péchés. It is joy that the Lord gives to all those who obtain the forgiveness of their sins. La joie qui sort du Saint-Esprit. Joy that comes from the Holy Spirit. La joie que le Saint-Esprit donne. Joy that the Holy Spirit gives. La joie que le Saint-Esprit permet aux croyants de manifester. Joy that the Holy Spirit permits the believer to manifest. Est une joie que seuls peuvent expérimenter ceux qui ont vu leurs péchés pardonnés. It is joy that only those whose sins have been forgiven can experience. Heureux l'homme dont le péché est pardonné. Blessed is the man whose sins have been forgiven. Si tu vois quelqu'un qui se réjouit, qui chante, qui danse, qui est enchaîné par le péché, ne te trompe pas. Il n'a pas la joie. C'est l'hypocrisie. If you see a man
who sings and dances, but whose sins have not been forgiven, he doesn't have joy. He's just a hypocrite. Quand il est seul, il pleure. When he's alone, he cries. Et il veut même se suicider. And he even wants to commit suicide. Après, quand il boit quelques bouteilles de bière. And afterwards, when he drinks, il fait comme s'il était rempli de joie. Ça, ce n'est pas la joie. And then he can shout out as if he's filled with joy. That is not joy. Quelqu'un m'a dit que quand il est triste, il fume la cigarette. Someone told me that when he's sad, he smokes. Ça, ce n'est pas la joie. That is not joy. Ces sentiments, ces sensations que la cigarette donne, ce ne sont pas les manifestations de la joie de Dieu. That sensation that cigarette gives is not a manifestation of the joy of God. Quand tu as bu et que tu es sous, ça c'est pas la joie. When you have drunk and then you are drunk, you don't have the joy of God. La vraie joie, true joy, vient du Saint-Esprit. Comes from the Holy Spirit. Quand les péchés sont pardonnés, when your sins are forgiven, on est rempli de joie. And you are filled with joy. Le cœur est en paix. Your heart is at peace. Il n'y a pas de culpabilité qui ronge. There is no guilt eating you up. David appelle ça la joie du salut. David calls it the joy of salvation. Quand tu sais que Dieu ne te condamne plus, when you know that God no longer condemns you, et que tous les crimes que tu as commis sont pardonnés, and that all the crimes that you committed have been forgiven, tu es constamment en joie. You are constantly joyful. Vous notez ceci. Write this down. C'est la joie de ceux qui savent déposer leur fardeau aux pieds du Seigneur Jésus. It is the joy of those who know how to lay their burdens at the feet of Jesus. Ils ont les problèmes comme tous les hommes. They have problems like all men. Mais leur puissance, but their power, c'est que ils savent déposer tous ces problèmes aux pieds du Seigneur Jésus Christ. Is that they know how to lay all these burdens at the feet of the Lord Jesus Christ. C'est la joie de ceux qui savent se décharger de leurs soucis. It is the joy of those who know how to lay off their worries. Ils savent se décharger de leurs soucis dans une entière confiance à Dieu. They know how to lay off their worries in total confidence in God. Ils croient au Seigneur Jésus. They believe in the Lord Jesus. Ils croient son amour et à sa puissance. They believe in his love and his power. Et quand ils ont des fardeaux, and when they have burdens, ils viennent les déposer aux pieds du Seigneur. They come and lay it at the feet of the Lord. Ils savent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. They know that all works for the good of those who love God. Et qui sont appelés selon les desseins de Dieu. And who are called according to his purposes. Ils savent que Dieu peut transformer les situations. Il peut renverser les situations. They know that God can transform a situation, that he can turn around a situation. Ils refusent d'être emportés par le doute, les craintes, les hésitations. They refuse to be carried away by doubts, fears, and hesitations. Ils savent que Dieu est puissant. They know that God is powerful. Ils savent que Dieu est capable. And they know that God is able. Ils croient. In fact, they believe. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ils sont convaincus. They are convinced que Dieu ne peut pas abandonner le juste. That God cannot abandon the righteous. Et Dieu honore leur foi. And God honors their faith. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit. In Romans chapter 8, verse 28, it is written. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. For we know that in all things God works for the good of those that love him and are called according to his purposes. Tu dois manifester la joie que le Saint-Esprit a déposée en toi. You must la joie qu'il a déversée en toi. He must manifest the joy that the Holy Spirit has poured into you. C'est une joie extraordinaire. It is an extraordinary joy. Qui résiste à toutes les épreuves. Which resists all trials. Qui résiste à la persécution. Resist persecution. Qui se réjouit même dans les épreuves. Which rejoices even in trials. Dans les afflictions. In afflictions. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit. It is joy that comes from the Holy Spirit. C'est une joie qui est le fruit d'un long ou d'un fervent apprentissage dans le chemin de la croix. It is joy that comes from real learning on the way of the cross.
Et c'est une vertu, c'est une joie qui est une vertu, le fruit du travail. It is joy that is a virtue, that is the fruit of work. L'apôtre Paul dit, the apostle Paul says, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. I have learned to be joyful in the state in which I find myself. C'est un choix volontaire d'exprimer la vie de Dieu même dans les difficultés. It is a voluntary choice to express the life of God even in difficulties. De manifester la paix de Dieu même sous l'oppression. To manifest God's peace even when you are under oppression. Quelqu'un lise pour nous Philippiens chapitre 4 verset 10 à 12. Someone should read for us Philippians chapter 4 from verse 10 to 12. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. I know how to be abased and I know how to abound. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Both to abound and to suffer need. Il a appris. He learned. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il a appris. He learned. Marcher ou alors offrir aux hommes un visage décousu, effrayé, abattu, traumatisé n'est pas un ministère de vie. Offering to people a twisted face, a downcast face, one that looks like it's defeated, is not ministry. Offrir aux hommes un visage qui montre que celui-ci n'a rien à manger. Offering to men a face that shows that this one has nothing to eat n'est pas une vertu. It's not a virtue. J'ai appris. I have learned. J'ai appris. I have learned. Je sais vivre quand on me félicite. Je sais vivre quand on me corrige. I know how to live when I am congratulated and I know how to live when I am corrected. Je sais vivre quand j'ai l'argent dans mes poches. Je sais vivre quand mes poches sont vides. I know how to live when I have money in my pocket and I know how to live when my pockets are empty. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. I have learned to be content in the state in which I find myself. C'est ça qui vient du Saint-Esprit. That is what comes from the Holy Spirit. Ce n'est pas un don spirituel que Dieu te donne et puis du coup tu as déjà ça. It's not a gift of the Holy Spirit that God just gives you and then it comes upon you. Dieu a donné des dons. God has given gifts pour l'accomplissement de son œuvre. For the accomplishment of his work. Mais Dieu recherche le fruit. But God seeks the fruit. Dieu veut que le croyant en qui on a investi porte du fruit observable par les hommes, capable de susciter la louange et la gloire pour Dieu son Père. God wants that men on whom they have invested have virtue that bring glory to God. Il faut montrer aux hommes. You must show men que tu contemples une autre réalité qu'ils ne voient pas. That you behold another reality that they don't see. Que tu as
une autre source de joie. That you have another source of joy. Que les païens n'ont pas. That pagans do not have. Philippiens chapitre 4. Philippians chapter 4. Versets 4 et 5. Verse 4 and 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Ici, le Seigneur nous commande. Ce n'est plus une simple exhortation, c'est un ordre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Here the Lord commands us. It's not an exhortation, he commands us. Rejoice always in the Lord. Il faut apprendre. You must learn. À manifester la joie de Dieu, la joie de Jésus dans ce monde. To manifest the joy of Jesus, the glory of the Lord in this life, in this dans world. Ce monde en crise. In this world in crisis. Que votre douceur soit connue de tous. Let your gentleness be known to all. De tous les hommes, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Let your gentleness be known to all men. The Lord is near. On ne peut pas séparer cette joie de la contemplation de ce qu'on appelle l'espérance à venir. We cannot separate this joy from what we call the contemplation of things to come. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Do not rejoice because demons submitted to you. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Rejoice because your names are written in the book of life. C'est une joie qui vient du ciel. It is joy that comes from heaven. On contemple les choses à venir. We behold the things to come. On voit les richesses à venir. We see the riches to come. Chacun contemple sa couronne. Each one beholds his crowns. Et ça donne la victoire dans les épreuves. And it gives victory in trials. Ça garde confiant et joyeux. And it keeps one confident and joyful. Il dit réjouissez-vous. He says rejoice. Le Seigneur est proche. The Lord is near. Pour certains, ça ne veut rien dire. For some, it means nothing. Mais pour nous, but for us, c'est une grande exhortation. It is great exhortation, un grand encouragement, great encouragement, qui peut amener quelqu'un à essuyer ses larmes, which can bring someone to wipe his tears. Le Seigneur est proche. The Lord is near. Il ne dit pas que vous avez l'argent dans les poches. He does not say you have money in your pockets. Il dit le Seigneur est proche. He says the Lord is near. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Let your gentleness be known to all men. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a une joie. Lisons un peu dans 1 Samuel, chapitre 1. Let us read 1 Samuel, chapter 1. Lis pour nous le verset 18. Read, 1 Samuel 1, verset 18. Read verse 18 for us. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne était en train de supplier Dieu. Hannah was pleading with the Lord. C'était une femme malheureuse. Elle n'avait pas d'enfant. She was a woman, an unhappy woman. She did not have a child. Maîtrise, parce que on se moquait d'elle. She was always downcast because they always mocked her. Le jour où elle a prié, the day that she prayed, et que Dieu a exaucé, and that God answered, on dit que son visage ne fut plus le même. And he said that her face was never the same. C'est ça qu'on appelle la joie du Saint-Esprit. That is what we call the joy of the Holy Spirit. L'enfant n'était pas encore là. The child was not yet there. Mais le poids était parti. But the weight had left. Et relis le verset 18. Read verse 18 again. Son visage n'était plus le même. Her face was no longer the same. Frère, on lit la joie sur les visages. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on les rencontre, on regarde leur visage. Brother, we can read joy on the faces. There are people who don't know that when we meet them, we read their faces. On peut lire la misère, on peut lire la joie. You can read misery and you can read joy. Oui, lis le verset 18. Elle dit,
Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Si tu es triste, if you are sad, si tu te mets à genoux, go down on your knees, si tu n'as pas encore l'allégresse dans l'âme, ne quitte pas. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le but. If you don't have cheerfulness in your heart, do not leave because you have not yet reached the goal. Un homme normal se met à genoux dans la contrition, la douleur, les pleurs. Quand il se relève, il y a la joie. Il y a le visage qui est illuminé. A normal person goes on his knees in contrition, in pain, in fright. But when he gets up in joy. Trouver une communauté comme s'ils ont perdu les êtres chers, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. To find a community where everybody as if they've lost very dear persons is not biblical. Sans joie, timide, craintif. Without joy, timid, fearful. Oppressé. Oppressed. Ce n'est pas un bon témoignage. It is not a good testimony. Ça ne peut pas attirer les païens. It cannot draw unbelievers. Elle a prié. She prayed. Elle a mangé. And then she ate. Les gens qui l'ont observé. People who observed her. Ont constaté que le visage n'est plus le même. Saw that her face was no longer the same. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. And it is the Holy Spirit that bears witness. C'est-à-dire les choses que l'Esprit de Dieu ne voulait pas qu'elles sortent dans les Écritures, elles ne sont pas sorties. Things that the Holy Spirit did not want to come out of the Scriptures did not come out. Si tu lis quelque chose ici, c'est que le Saint-Esprit a permis que ça sorte et que ça soit connu. If you read something in Scriptures, know that the Holy Spirit wanted it to be there and for it to be seen and known. Donne un sourire à quelqu'un. Give a smile to someone. Comme une exhortation que tu donnes. As an exhortation that you give. Comme un plat de nourriture. Like a plate of food. Comme un billet de 10 000. Like a 10,000 francs note. Tu dis bonjour. You say good morning. Ça brille. And your face shines. Ça communique la vie. It communicates life. Vous savez, j'aime souvent dire sois béni. You know, I always like to say be blessed. Ça vient d'où? Écoutez très bien. Where did this come from? Listen. Quand on me prêchait l'évangile, when the gospel was preached to me, je n'avais pas encore cru. I had not yet believed. Mais j'aimais la parole de Dieu. But I loved the word of God. Donc je luttais pour abandonner les péchés. So I was struggling to abandon sin. Et quand j'allais chez les frères, and when I went to the house of brethren, mon père en Christ, my father in Christ, aimait dire sois béni. Used to love to say be blessed. Et je me disais non, il faut que je me convertisse pour dire aux gens sois béni. And I told myself that I need to be converted to tell people be blessed. C'est la première chose que j'ai désiré. Quand il dit sois béni là, j'ai envie de dire ça, mais quand je regarde mon péché, quelqu'un me dit tu n'es pas prêt. Il faut d'abord laisser les péchés. I desired to say it, but something told me that with your sins you are not qualified. So leave your sins and then you can be able to tell people. Après ma repentance, after my repentance, j'ai commencé à distribuer sois béni. I started distributing je te salue, be blessed. Je sois béni. Be blessed, be blessed. Je te salue, je sois béni. I greet you, I say be blessed. Sois béni. Be blessed. Et je crois à ça. And I believe in it. Je crois que la bénédiction est en train de s'installer quand je dis sois béni. And I believe that blessing is being installed when I say be blessed. Donc si tu veux bénir les gens, bénis-les. Les gens ont besoin de bénédictions. So if you want to bless people, bless them. People need blessings. Frère, la joie. Brethren, joy. Ta joie. Your joy. Doit être permanente. Must be permanent. Même la persécution, les moqueries, la situation dans le monde, les COVID et tout ce que nous connaissons ne doit pas voler ta joie. Even persecution, pain and all the situation that is going around, COVID and the rest, cannot steal your joy. Même l'œuvre de Dieu. Even the work of God. Quand tu prêches l'évangile. When you preach the gospel.
croyant que les gens vont t'embrasser et puis les gens t'insultent. Ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Jésus dit, réjouissez-vous. When you preach and you think that people will accept you and they instead insult you, do not be discouraged. Jesus says, rejoice. Il dit, dans l'Ancien Testament, les gens persécutaient tous les bons prophètes. It is said that He said that in the Old Testament, people persecuted all the true prophets. Et il disait, méfiez-vous que si vous voyez que les gens vous aiment trop là, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'il faisait aux faux prophètes. And he told them. Il les aimait beaucoup. And he told them that you should be careful if people begin to love you too much. That is what they did to the false prophets. Si they tu loved them too prêches, much. If you preach, tu lances l'appel. And you launch the call. Personne ne se lève. No one stands. Réjouis-toi. Rejoice. Tu as déjà prêché l'évangile. You have already preached the gospel. Tu lances l'appel. You launch the call. 3000 personnes sont debout. 3000 people stand. Ne te réjouis pas parce que tu as converti 3000 personnes. Réjouis-toi parce que 3000 noms viennent d'être enregistrés. Do not rejoice because you converted 3000 people. Rejoice because 3000 the names of 3000 people has been written in heaven. Lis pour nous 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 13. Read for us 1 Peter chapter 1. From verse 6 to verse 13. J'espère que vous maîtrisez notre progression. I hope that you understand our progression. Dieu veut. God wants. Que tu désires être comme ça. That you should desire to be like. Et il te montre, tu vois la joie qui vient du ciel. Est-ce que tu la désires? And it shows you that you see the joy that comes from heaven. Do you desire it? Si tu dis oui, if you say yes, ton cœur sera enflammé. Your heart will be set ablaze. Et tu vas commencer à conquérir cette vertu-là. And then you will begin to conquer those virtues. Tu ne seras plus la même personne. You will no longer be the same. Lis, vas-y. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. He says, blessed be God, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Il nous a régénérés pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Why did he regenerate us? Because of an inheritance which is incorruptible and undefiled
and that does not fade away, reserved in heaven for you. Il nous est réservé, il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. For you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Et dit donc, and then he says, c'est là ce qui fait votre joie. He says, in this you greatly rejoice. La question c'est, est-ce que c'est vrai? The question is this true? L'apôtre est convaincu que si tu entends que Dieu t'a sauvé et qu'il te réserve pour les choses éternelles, pour son retour, que tu vas te réjouir. C'est ce qui se dit. The Apostle Paul takes for granted that when you hear that God has saved you and that he reserves for you rewards that are to come, you will rejoice. That is what he tells himself. Que Dieu nous a réservé une espérance qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas se corrompre. That God has reserved for us an inheritance which cannot be defiled, which is incorruptible. Qui nous est réservé pour être révélé au dernier jour. Which he has revealed, which he has kept to reveal to us on the last day. Et il dit, c'est ce qui fait votre joie. Mais le problème, c'est que pour beaucoup, ce ne sont pas ces choses-ci qui font leur joie. And he says, that is what is the source of your joy. But the problem is, for many people, it is not these things that are the source of their joy. C'est ça qui fait votre joie. This is the source of your joy. Lui, il est convaincu. He is convinced. Que si tu entends, that if you hear que Dieu t'a sauvé, that God saved il you, t'a lavé, and that he washed il t'a you, sanctifié, and that he sanctified il, you, il t'a mis à part, and that he set you apart, pour que tu sois révélé au dernier jour, so that you be revealed on the last day, que tu entres dans la richesse éternelle, for you to enter into the eternal riches. Et il dit, c'est ça qui fait ta joie. Est-ce que c'est vrai? He says that is what makes your joy. Mais Dieu veut que ce soit vrai. Dieu veut que ce soit vrai. But make sure that it is true. Dieu veut que ta joie provienne de ces vérités. God wants that your joy should come from that truth. Quelqu'un a chanté. Someone sang. Na so so wanda Jesus didu. C'est-à-dire Jésus fait des merveilles. Someone sang na so so wanda Jesus didu. Il met le sucre dans mon thé. He said he put sugar in my tea. Et il garnit mon pain de beurre. And he butters my bread. Oh, il fait des merveilles. Oh, he does wonders. Il fait des merveilles. He does wonders. Et toi, tu viens. And you come. Tu dis, le Seigneur nous a sauvés. You say, the Lord has saved us. Relisons l'apôtre Pierre. Let us reread the Apostle Peter. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. To an inheritance incorruptible and undefiled, that does not fade away, reserved in heaven for you. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés dans la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. C'est là ce qui fait votre joie. In this you greatly rejoice. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves. Though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. L'apôtre sait. The apostle knows. Qu'il y a les oppressions. That there are oppressions. Il y a les persécutions. That there are persecutions. Il y a des épreuves. That there are trials. Il y a des méchancetés même. That there is wickedness. Il y a des gens qui jurent avec imprécation. There are people who play around. Qui veulent te mettre à genoux, qui veulent t'humilier. Who want to humiliate you. L'apôtre sait qu'il y a tous ces combats là devant chaque frère. The apostle Peter knows that there are these battles Mais before every brother. Il sait que
tous ces combats ne peuvent pas voler ta joie en Jésus-Christ. But he knows that all these battles cannot steal your joy in Jesus. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, à qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Whom having not seen, you love, though now you do not see him, yet believing. Une joie ineffable et glorieuse. You rejoice with joy inexpressible and full of glory. Tu te réjouis des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. You rejoice of things that your eyes have not seen. C'est une joie glorieuse, dit l'apôtre, une joie glorieuse. It is glorious joy, as the apostle says. Dieu exige que ses enfants manifestent cette joie-là. God demands that his children should manifest this joy. Ils ne doivent pas être concentrés sur les petites difficultés de la vie, de l'existence. Ils doivent contempler les richesses à venir. They must not contemplate on the little difficulties around in their existence. They must behold the glory to come. Ils doivent manifester ce que la parole appelle la joie glorieuse. They must manifest what the word calls the glorious joy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dites amen. Say amen. Lis pour nous la Matthieu chapitre 5 verset 10 et 12. Verset 10 à 12. Read for us Matthew chapter 5 from verse 10 to 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Si tu es persécuté, if you are persecuted, ne serre pas ton visage. Do not twist your face. Tu pleures partout. And cry everywhere. Ou alors tu commences à désirer que les persécuteurs meurent. And you start desiring that your persecutors should die. Pour que les gens comprennent que tu n'es pas n'importe qui, qu'on ne s'amuse pas avec toi. For people to understand that you are not just anybody, that they don't joke with you. Il faut souvent prier que personne ne tombe malade à cause de toi. You should often pray that no one should fall sick because of you. Si quelqu'un t'insulte, tu dis, oh Dieu, ne le juge pas, pardon. If someone insults you, say, oh God, do not judge him, please. Parce qu'il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu peut maudire quelqu'un à cause de toi. Because he says, I will curse those who curse you. God can actually curse someone for your sake. S'il est trop méchant, dis à Dieu, enlève-le de mon chemin. If he's very wicked, tell God, take him off from my way. Parce que tu as promis que les obstacles seront enlevés de mon chemin. Because you promised that obstacles will be taken off my way. Dieu va t'exaucer. God will answer you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que quelques personnes prient pour cette joie-là dans l'église. Let some people pray for that joy in the church. Dans les disciples. In the lives of disciples. Pas des gens qui bricolent, les gens qui sont, ils sont remplis d'une joie qui vient de la contemplation du royaume à venir. Not people who are just battling around, but people who contemplate
the glory to come. Des gens qui sont satisfaits en Jésus. People who are satisfied in Jesus. Si quelqu'un se réjouit que Jésus met le sucre dans son thé, c'est bon. Mais Dieu veut les gens qui contemplent la gloire qui arrive. If someone is rejoicing that Jesus has put sugar in his tea, it is good. But God wants people who behold the coming glory. Et des cantiques doivent être composés pour encourager l'église à contempler cette gloire à venir. And hymns must be composed to exhort the church to behold this coming glory. Père, pardonne-moi, Seigneur, pour cette pensée unique que j'ai eue la nuit dernière contre ce persécuteur qui m'en voulait terriblement. Je me repens et je prie que tu me pardonnes. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon cœur soit détourné des paroles, que ces paroles que j'ai prononcées soient effacées même. Et je prie même pour ce persécuteur, oh notre Dieu, je plaide que tu l'enlèves sur mon chemin. Je plaide, Seigneur, que tu pardonnes ses péchés, ses iniquités, que ta grâce et ta faveur reposent sur lui, Seigneur. Bénis-le afin qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, je plaide. J'ai eu des pensées terribles contre ce persécuteur. Oh Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Efface même les paroles que j'ai dû prononcer. Je t'en supplie Seigneur, viens avec moi. Merci pour ce que tu m'enseignes ce soir. J'irai encore prier pour lui, Seigneur notre Dieu. Oh Père, j'irai encore prier, sincèrement prier, pour qu'il voie le jour. Merci Seigneur pour ces paroles que tu viens de me donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Et nous prions, Seigneur, afin que chaque frère manifeste cette joie, que tu nous recommandes de manifester en toi. La joie qui découle du pardon de nos péchés. La joie qui découle du fait que tu as inscrit nos noms dans ton livre de vie. La joie liée à l'espérance de la vie éternelle. Nous plaidons, Seigneur, afin que chacun de nous comprenne, Seigneur, quelles que soient les situations qu'il vit, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les crises, quelles que soient les épreuves. Oh, notre Dieu, que cette joie demeure dans les cœurs et soit manifestée. Et sois manifesté. Nous plaidons, Seigneur, afin que tu nous visites, afin que tu nous accordes de saisir ce que tu dis et de vivre comme tu veux des enfants de Dieu, toujours joyeux, à cause du fait qu'ils sont sauvés, qu'ils n'ont pas à l'héritage avec les saints. Oh, un héritage incorruptible qui ne peut pas se flétrir. Oh, notre Dieu, nous plaidons, Seigneur, afin que les écailles tombent de nos yeux pendant que tu nous parles et que la tristesse qui nous habite et qui ne devrait pas nous habiter à cause des petites situations de la vie, Seigneur, nous quitte et que nous soyons joyeux, toujours joyeux. Nous plaidons que tu l'opères dans nos vies. S'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Qu'il arrache tes regards de la terre. May it take you off from, may it take off your gaze from the earth. Donne cette capacité de contempler. And may it give you the capacity to behold. Et si tu es là pour la première fois. And if you are here for the first time. C'est une vie que le Seigneur t'offre. This is a life that the Lord is giving to you. Tu peux refuser. You can deny it. Comme tu peux l'embrasser. Just as you can embrace it. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Et j'ai parlé de mon Père en Christ sans dire son nom. Vous savez, un Père en Christ, c'est
un don de Dieu. Quand Dieu utilise quelqu'un pour te sauver, tu ne peux pas rendre un témoignage aussi important sans mentionner son nom. I spoke about my spiritual father without mentioning his name. When God uses someone to give you the gift of salvation, you cannot testify without calling his name. Mon père en Christ s'appelle Jofang Joseph. My father in Christ is called Jofang Joseph. Il est un missionnaire que le frère Zach avait envoyé à l'est du Cameroun dans les années 79. He's a missionary that Brother Zach sent to the east of Cameroon in the year 1979. Donc je suis le fruit de la CMCI. So I'm the fruit of CMFI. Dès la première naissance. From the first birth. Quand j'écoute souvent les témoignages. When I listen to testimonies sometimes. Quand je vois les souffrances par lesquelles les frères sont passés. When I see the sufferings through which brethren have gone. De faux prophètes, à camp de prière, à camp de prière, je rends grâce à Dieu. From one false prophet to another, from one prayer camp to another, I just give thanks to God. Le frère Zach a envoyé un missionnaire. Brother Zach sent a missionary. Je l'ai rencontré. I met him. Il m'a sorti du catholicisme. And he took me from Catholicism. Et je suis resté là jusqu'à ce jour. And I've stayed there till today. Hallelujah. Hallelujah. Et j'ai expérimenté la délivrance du péché. And I've experienced the deliverance from sin. Quand j'avais cru. When I believed. Quand je lisais la Bible. And I used to read the Bible. J'ai laissé la Bible sur la table. I would leave my Bible on the table. Je me réjouissais d'abord en disant, oh les cathos. And I would rejoice first. I would say, oh these cathos. Après je rentrais relire. And then I would go back to read. C'est un bonheur. It's great joy. C'est une joie. It is joy. Sois béni. Be blessed. Ceux qui commencent le jeûne demain, soyez bénis. Those who are beginning the fast tomorrow, be blessed. Ceux qui persévèrent. Those who are persevering. Soyons bénis. Let's be blessed. Ceux qui nous soutiennent parce qu'ils ont terminé, soyez bénis. Those who are supporting us because they have finished, be blessed. Que toute la communauté missionnaire internationale soit bénie. May the entire Christian Missionary Fellowship International be blessed.